Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis Sraphil et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Solus Project. Ah, j'avais pas sauvegardé, tiens. On va sauvegarder, comme ça ce sera fait. Eh bien, je viens de dormir, manger, boire, ici. Qu'est-ce que ça peut être, ce gros ballon là? C'est bizarre. Un gros ballon. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Apparemment, ça va en dessous. Bon, on va suivre l'objectif. Ah, on a peut-être un truc là-bas. On va aller voir ça. Ici, on a de la bouffe. On va aller checker ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça? I, Utuku, the first of the Enlightened. His divine power, the sky one bless us with safety and life. Ok, bon, ouais, t'es gentil. Adarsum stood here and struck evil from the sky with his great magic. Magic created to protect us from the malevolent cosmos. Ok, alors ici on peut mettre l'épée que j'avais eu dans l'épisode précédent et activer quelque chose. Ah, j'ai activé l'obélisque. Regardez ça. Alors j'ai activé un truc. What the fuck? Je viens d'activer un truc. Je suis désolé, je voulais pas toucher. Je ne voulais pas toucher. Bon, maintenant c'est fait. D'accord. Très bien. J'aurais dû juste mettre mes mains dans les poches. Garder mes mains dans les poches. J'entends un vaisseau. Je sais pas vous. Ah, ok. Une autre capsule. Une autre capsule, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est juste des vivres en fait. On va récupérer ça. Ah, on a un truc intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Partie de marteau. Ah, manque une poignée. Mais voilà, on a un marteau. Nice. Ok. Hop, je reprends ma torche, n'est-ce pas? On va manger un truc comme ça. Et on va récupérer une ration. On a derrière un bâton. Je devrais peut-être récupérer le bâton. Ah putain, il est chiant à voir. Voilà, et puis l'eau, on va la laisser. C'est pas très grave. Vous inquiétez pas. Alors, on va aller vers l'objectif. Je sais pas ce que j'ai touché, je sais pas ce que j'ai fait avec le signal. Peut-être que c'est ce qui est descendu, ce qui est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une partie de tour de communication. Alors, on va y mettre ça. On va y mettre ces trois trucs-là. IT, faune, maison. Ah, ça fonctionne? Ah non, il y a ça aussi. Ok, là, on a toutes les parties de la tour de communication. Amicio Maria, oui bon, Maria, laissons tranquille. Nous, on a des choses à faire. Là, on doit appeler la maison, on doit envoyer un signal. Source d'énergie 0 sur 1. Ah, il nous manque des trucs. Il nous manque quelques trucs pour que ça fonctionne. Ouais. Je crois qu'il y a... C'est les cercles qui apparaissent à mon avis. Alors qu'il y a une tempête qui est en train de se lever. Je devrais peut-être pas rester là.
On devrait peut-être se mettre à l'abri. Je vais aller voir les cercles. Ouais, je crois que c'est ça, c'est ça. C'est peut-être ça qui nous manque. Oh, qu'est-ce qu'on a là? On va essayer de passer comme ça. On a le pack de soins. Ouais, le pack de soins. Oui, inventory full. Absorbe l'eau, vous rend sec. Je vais jeter un truc comme ça. Ou alors je vais le manger, voilà. Je vais le manger. J'ai plus d'eau. Ah, si, j'ai de l'eau encore, j'ai une bouteille, mais... Alors, il y a une partie ici. Impeccable. Et alors, où sont les autres parties? Est-ce qu'il y en avait d'autres? J'avais vu deux cercles sur la plage. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Câble. Outil, peut-être coupé, outil nécessaire. Ah mais j'ai pas de cailloux. Faut sûrement les cailloux. Ou alors, enfin je sais pas si on peut les couper avec du caillou, mais... Enfin des rochers. Ça, 50% d'humidité, ok. Il me faut un truc pour couper là. Ah, voilà le cercle dont je cherchais. Ce que je cherchais, voilà. Mais il nous faut des câbles quand même, je pense. Je pense qu'il nous faut des câbles quand même. Il n'y a pas de cailloux. Il y a une tempête. C'est bien. Comment je peux faire pour couper les câbles? Bon, tant pis. Je vais remonter là-haut. J'espère qu'on n'aura pas de tornade. Et il va me manquer un seul objectif. Pour le moment, je vois pas de tornade. Donc c'est bon signe. Tant qu'on voit pas la tornade, ça va. Ok, on est à 3 sur 15 au niveau du débris. Il nous faut une source d'énergie. Aussi, il y avait un autre cercle. Où est-ce que c'était? C'est d'ici que je viens? Non, je crois pas. Je suis pas venu ici, au fait. Non, pas encore. Trouve un moyen de rentrer dans ce bâtiment pour enquêter sur le câble. Clé requis. Ok, il nous faut une clé. Très bien. On va essayer de trouver ça. Gravestone, here lies Miss Herbalist, passed away, aged on Galea after. Ok. On va chercher dans les autres bâtiments. Quelques trucs apparemment à l'intérieur. Comment je peux rentrer là-dedans? Ah, peut-être par-dessus. Peut-être par-dessus. Avec le téléporteur. Ah, je pense pas. Je pense pas. Parce que le téléporteur, en fait, il va pas super loin. Oh! Tout de même. Qu'est-ce que c'est que ça? La résistance à la déshydratation plus 1%. Impeccable. Un casque viking apparemment.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Fait venir sur nous par les One Sky en métal. Il était histoire de sa maison dans les domaines de bleu. Il transportait tu lui-même qui l'a fait. Ok. Pourquoi pas? Je pense que ça parle de ce casque. Toujours des signes bizarres. Ouais, du coup. Ça devrait passer, allez. Nice. Du coup, faut qu'on arrive à rentrer dans cette maison, mais on n'a pas de clé. Ici, apparemment, une sorte de crash. Ah! Aïe. J'ai perdu un peu de santé. Ça va, c'est pas très grave. Alors, on a des parties ici. Des débris, 4 sur 17. Qu'est-ce qu'on a là? Bâton. Enregistreur de vol. Nice, résistance à la chute 4%. Ah d'accord, j'en avais besoin, tiens justement. Vu que je viens de chuter. Ok. L'humidité commence à redescendre. C'est une chose. Maintenant, il me manque beaucoup de débris. Il manque pas mal de débris. Regardez, la tour est en train de se monter. Plus je mets des débris, je crois que plus ça se construit. On va voir. C'est un truc qui se rajoute. Attention. Je crois. On n'a pas l'impression, mais je crois. On en est où là? On est à 4 sur 15 niveau débris. Ah. Ok, je peux plus interagir avec. Donc j'ai plus rien. Ouais, c'est ça, je crois que ça se construit de plus en plus. Donc construire un émetteur improvisé pour atteindre la satellite relais et l'humanité. Source d'énergie 0 sur 1 et débris 7 sur 15. Bon, on va suivre la direction. Le problème, c'est que je peux pas rentrer dans cette maisonnette. Il me faut une clé. Il faut que j'arrive à trouver une clé. Où est-ce que je pourrais trouver une clé? À mon avis, ça doit être dans les environs, mais... Je crois que là aussi, on a un bâtiment qui est fermé. Non, c'est pas un bâtiment fermé, ça? Non, c'est l'entrée. Tout à l'heure, on est rentré par là. Ok. Bon, on va descendre. On va descendre encore plus bas. On a le village qui est là et on peut encore descendre. Est-ce que je peux envoyer mon téléporteur au-dessus? Ah, maybe. Par contre, je sais pas si. Je sais pas si on a un truc. Si c'est comme l'autre maison, on peut peut-être passer avec le téléporteur. On va voir. Attention. Verdict. Alors, apparemment, non. Apparemment, non. On ne peut pas cheat ici. Et ça descend. Ça descend pas mal. Ok, donc la suite doit être par là. Faut que je fasse gaffe à ma santé. Je suis à 400. Là, j'abuse un petit peu, j'avoue. J'avoue que j'abuse. Wait. On est passé par là. Du coup, la plage, on n'y est pas allé, je crois.
Cette plage-là en dessous. Je sais pas si on peut trouver quelque chose, mais il faudrait juste que j'arrive à trouver une. Enfin, comment faire pour rentrer? Comment je pourrais faire pour rentrer? Une clé spéciale, mais où est cette clé? Ah. Étape importante. Traversée de la voie 2 sur 2. C'est la fin de ce chapitre en plus. Clé requis. Ouais. Si je fais ça. Non, ça passe pas. Avec le marteau, ça passe pas. Ils connaissent pas ce truc-là. Bon. Je vais descendre en bas. Oui, je vais pas descendre en haut. Je vais descendre sur la plage. Encore! Putain, je suis à 255, c'est chaud. Faut que je me calme. Au niveau des chutes. Ce qu'on va faire. Hop. On devrait être ok au niveau de la boisson aussi. Bon, il faut que je dorme pour que je puisse récupérer un peu de santé. On va avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Avantage d'énoasite reçu. Je vois pas ce que c'est. On a reçu un avantage. En général, quand on vous dit que vous avez obtenu un avantage, c'est que c'est bien. En général. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une grotte ou un truc? Oh, les cailloux sont assez bizarres. Si c'est des cailloux, enfin, des rochers. Ah, par là, il y a une arche déjà. C'est qu'il y a peut-être un truc. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a une grotte. Impeccable. Your father's. Seeping out of the ground. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Santé maximale plus 25. Très bien. Ah, je peux péter maintenant. Ok. Je peux péter avec le marteau et. Et c'est tout. Peut couper. Ok. Donc, on aura peut-être besoin pour les câbles. Très bien. Nos pères, 2 sur 6. Bon, nos pères nous parlent de la première flamme, nos pères nous parlent de la première pluie, nos pères nous parlent de. On ne dira pas ce qu'on pense. Et là, nos pères. Ouais. To create the flame, ok. Très bien. Bon, il y a pas mal de narration pour en apprendre un peu plus sur le monde ou pour poser un petit peu l'univers. Mais c'est pas forcément. Enfin, c'est un petit peu chiant à lire, etc. Surtout que j'ai envie d'avancer. Là, je suis un petit peu coincé. Je suis un petit peu coincé avec mon émetteur. Avec mon émetteur, tout simplement. Passer là-haut. Non, il n'y a rien.
On va pas aller se coincer. J'ai récupéré toute ma santé, 650, impeccable. Cette planète est vraiment bizarre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on fait ça, en général, ça ouvre un truc. Et là, je sais pas ce que ça a ouvert. What? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est pas là où on est venu tout à l'heure pour Yuri, machin, machin? Je crois, hein, je suis pas sûr, mais... Avantage Fenuma reçu. Ok. Maintenant, on a l'avantage de Fenuma. Après l'avantage de... Je sais plus que trop ce que c'était tout à l'heure. On va aller voir si on n'a pas des débris. Des débris utilisables pour l'émetteur. Ah. Apparemment, il n'y a que dalle. Des débris là-bas aussi. Et puis il nous faut une source. Une source de puissance en fait. Une source d'énergie. Il va falloir qu'on trouve ça. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. De l'eau. Pack de batterie. Ah, c'est justement ce qu'on avait besoin, non? Non, batterie de lampe plus 15%. Fuck. Ok. Bon. On obtient des bonus, c'est déjà ça depuis tout à l'heure. Mais on n'avance pas forcément. On n'avance pas forcément. Et ça... C'est chiant. Un petit peu. On doit ouvrir cette maison là, mais je sais pas comment l'ouvrir du tout. On va essayer de faire le tour de l'île pour voir. Apparemment c'est une île. Pour voir ce qu'on peut trouver. Alors avec la pyramide, j'ai pu ouvrir un truc. Je sais pas si c'est la maison que j'ai ouvert. Je pense pas. Ce serait un peu trop facile. Peut-être que si, hein, mais je suis pas sûr. Le mec devait s'asseoir ici et mater ça toute la journée. D'accord. Ah, le soleil, enfin. Merci. J'en avais marre de la pluie. Et le taux d'humidité qui descend, je crois. Petite musique au piano. Musique qui veut dire tu es en train de mourir. Tu en as marre. Tu ne trouves pas de débris. Ou autre chose. Je suis d'accord avec cette musique. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de mur invisible. Non? Non. Je sais pas, c'était bizarre. Ouais. Il y a une grotte là-bas. On va monter pour voir rapidement. Et puis ensuite, on peut peut-être aller vers... vers ceci. Ah, mais c'est pas notre point de départ, ça? Non, c'est pas notre point de départ. Je crois pas. Ok. On va checker, parce que je crois qu'il y a une grotte... Je crois, hein, c'est pas sûr. Au niveau de la température là. What? Il fait 70 degrés. C'est chaud.
Qu'est-ce qu'on a là? Il fait super chaud en fait. Alors je vais sauvegarder, je sais pas ce qu'on a là. On va boire un coup aussi. What? Zone de sortie. Est-ce que c'était pas là où on avait eu la grotte? Enfin, là où on avait le passage dans la grotte? Et il y avait l'écrit? Ouais, c'est ça. En fait, je suis revenu en arrière, comme un débile. Bon, et bien les amis, je crois qu'on va se laisser là. Je vais pas revenir dans la grotte, ce serait débile. On va se laisser là. J'espère que dans le prochain épisode, on va arriver à débloquer un petit peu la situation, à ouvrir cette maudite maison. Et puis voilà, je vous retrouve pour le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Ciao !